Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans le DLC Left Behind, qui veut dire laisser derrière. On va découvrir un petit peu tout ça, tout ce qui est en rapport avec ce DLC. Je ne sais pas qu'est-ce que ça... De quoi ça parle? Est-ce qu'on est sur le passé? Est-ce qu'on est sur le futur? Est-ce qu'on est sur, par exemple, Tommy, le frère de Joël? Est-ce qu'on va voir ça? Je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de faire des vidéos peut-être un petit peu plus longues. On m'a déjà dit qu'il y avait quelques heures à peu près le nombre d'heures de gameplay qu'il y avait. Donc je vais essayer de vous faire des épisodes un petit peu plus longs pour pouvoir être là pour le 7 septembre et pour pouvoir enchaîner sur le prochain Let's Play pour continuer d'avoir un Let's Play différent. Un jour sur deux, tout simplement. On va continuer Assassin's Creed Origins et on va continuer ici Left Behind. Quoi? Ok. Les lucioles? Baisse-toi! Ça, on connaît. Putain, mais c'est qui ces types? Connard! Ça me parle en fait, je m'imagine que c'est moi qui le parle. Joël! Mets ton bras sur moi! Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Ah, il est super. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Bon, ça, on avait déjà Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Bah, elle l'a sauvé quand même, hein. Sacré taf. Je sais pas comment elle a pu faire, mais... Elle l'a sauvé, on n'a pas trop compris pourquoi. Enfin, comment. Assez débrouillé. Riley? Aïe! J'ai atterri sur la hanche. Putain, j'ai cru que je m'étais fait mordre. Je sais, c'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non? Je t'ai pas vu depuis... Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin... 46, techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner. Toujours pas de coloc? Moi, j'ai dû dormir en dessous de Lise pendant 3 ans, et tu sais à quel point cette fille pue. Bon, si t'es luciole. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piole. Détends-toi. Crois-moi, il y a aucun soldat à cet étage. Tiens, félicitations. Hé hey. T'es fâchée? Si je suis fâchée... J'ai disparu et tu m'en veux. Et je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Oh. Allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi. Merde. Allez, il me faut quelque chose. Fais chier. Voilà. Oh, okay. Cool. Je vais te retourner. On va comprendre. Putain. Ah bah oui. Oh.
Ça devrait nous faire gagner du temps. Je cherchais de quoi te recoudre, ok? Durillon, reste avec lui. Je vais faire super vite. Je te le promets. Ok, donc on joue ça. On joue comment elle l'a soigné. Intéressant. Très clairement intéressant. Je savais pas du tout ce qu'on allait faire pendant l'FBI. Je vais où maintenant? Intéressant. Ça c'est cool. Parce que c'est vrai que ça manquait de savoir comment elle avait fait. On avait un peu l'impression que ça avait été... c'était une simplification pour les scénaristes. Mais finalement, si on voit ce qu'elle a fait et qu'on comprend, c'est vraiment stylé. Donc il va falloir chercher les trucs. Au niveau stuff, elle a que dalle pour le moment. Ah d'accord. Ah oui, carrément. C'est-à-dire qu'elle a pas l'idée de prendre le stuff de Joël. Je troll. Chercher. Ah oui. Ah ouais, il y a des zombies là alors que je suis pas du tout stuff. Va falloir que je trouve du stuff alors. C'est là, désolé, mais les zombies, là, ils me cassent le cul. Là. Facilement. Allez, go. Il nous faut quelque chose. L3. Pharmacie Weston. Pile poil ce qu'il me faut. Ah, on a vraiment que dalle. Comme stuff. Parce que là, ils me donnent des trucs pour pouvoir... pour pouvoir attirer un zombie, mais j'ai même pas d'armes pour me défendre. Fermé. Bloqué. Combinaison nécessaire. Bah comment on fait pour l'avoir la combinaison? American Princess. C'est ma gueule. Ouais, il y a une combinaison, c'est marrant. Ils sont où les zombies? L'autre côté de ce truc peut-être. Peut-être dans la pharmacie. Hein. Non. Appuyez R3 pour allumer ou éteindre la torche. Je crois qu'on s'en reconnaît. Hein. Bien évidemment. Oh, je rêve. Il a gobé les médocs et laissé la boîte. Rien quoi. Ah non, c'est bon. Ah. Évidemment, ils ont tout dévalisé. Bah ouais. En même temps, les pharmacies, mon pote, c'était il y a 20 ans qu'il y a eu l'apocalypse. Tu m'étonnes que les pharmacies soient vides. Le nombre de fois qu'un mec a voulu aller dedans pour récupérer du stuff. Ouais. À mon avis, ça doit être assez ouf. Hein. Ah. Il aura peut-être quelque chose sur lui. 35, 30, 31. Le pharmacien est devenu fou et m'a attaqué. Je l'ai frappé assez fort. Il est inconscient. Je l'ai enfermé dans le magasin American Princess à côté. Aidez-le, s'il vous plaît. Le code est 35, 30, 31. Oh la merde, il y a un zombie dans l'autre truc. Comment on le gère ? Oh, allez. Un kit de secours. Comment je fais pour entrer? Merde. Oh, t'as que des emmerdes, quoi. Là, on peut.
On est obligé de passer par le... Enfin, j'ai déjà plus le code. Mémoire de merde. Je pense qu'on a gardé le papier, donc... Artefact. Oula. Notre combinaison. 35, 30, 31. C'est bon, je l'avais à peu près retenu, mais... C'est chaud s'il y a un zombie là-dedans. 35 à droite, 30 à gauche, 31 à droite. Impec. Ouais, mais tu sais bien qu'il y a un truc là-dedans. Tu sais pas où. C'est suffisant. Pas besoin d'ouvrir plus. Si c'est un zombie, il peut pas forcément. Merde, n'est-ce pas? Eh oui, il y a un zombie là-dedans. Si vous voulez me sauter dessus, me faites pas non plus poireauter. Non, ça vous dirait pas. J'espère qu'elle a le truc de... J'espère qu'elle a le pouvoir de Joël hein, dans le DLC, parce que sinon... En même temps, le zombie doit se faire chier, hein, si ça fait 20 ans qu'il est enfermé. Il en a chié des sports, pardon. Excuse-moi. Là, il est énorme. On a de quoi faire un surin. Allez. On ne peut pas faire de surin, elle est nulle. Elle est nulle, moi je vous dis. Elle est nulle. Ellie, bordel. Mais c'est une arme, un ciseau comme ça. Tu peux pas la mettre? Oh, j'ai pas de balle du tout, quoi. Que dalle quoi. Là, il y a des spores, c'est dégueulasse. Heureusement qu'elle est insensible. Oh, mais j'allume pas là. Ah, il est mort. Il est mort réellement. Oh, ça se trouve, il est vivant. Oh, Berk. Ressuscite pas, ressuscite pas. Non, c'est bon. Putain! Je m'en suis douté que ça y allait avoir okay. Un prank. La clé, la pharmacie, c'est parti. Le pharmacien. Viens. Pense à moi pendant mon absence, tu vas me manquer, mais pas trop, Laura. Non, c'est une dégueulasse. Je suis sûr qu'il y a bien d'autres trucs à récupérer, là. Pas d'autres trucs à récupérer? Dans une boutique de poupées. Qu'est-ce que tu veux qu'on récupère, mon petit Iker? Qu'est-ce que tu veux qu'on récupère, mon petit Iker? Ah, mais j'ai un couteau, je peux le tuer, non? C'est bien, ça donne une récompense tout de même. C'est pas dégueu. On s'en sort bien, les potes. On a la clé. La clé, c'est pour la porte. On le sait. Est-ce qu'il y a un truc qui est rentré? Je pense pas, quand même. Pas sous de ma gueule non plus. Et là, il y a vraiment rien. Moi, je regarde. Je vérifie une deuxième fois, mais. Si on a oublié un truc. Non, il y a vraiment que dalle. On y va. Oui. C'est pas très prudent de rusher le truc sans regarder la pièce. Non, fais pas de bruit, fais pas de bruit. Oh. Un hélicoptère de l'armée. Il aura sûrement ce qu'il me faut. Peut-être. Accroche-toi, Joël. Là, j'ai cru voir un truc. Ah, là, il y a un truc. Allez, allez. Une arme, des balles, quelque chose. Oh là là.
récupérer des trucs, toi, là. Récupérer des trucs, te trop faire quoi? Rien. Putain, la poisse. On peut rien faire encore. Non, y'a rien. Bon. Continuons. Hélicoptère de l'armée. Je suis sûr qu'il y a des zombies partout en bas. Il y avait une porte. Il va y avoir un zombie quelque part là. C'est pas possible. Il y en a pas là. Tranquille au bilou. Ici là. Plein. Que dalle. On peut passer là. Ça mène là, nulle part, nulle part. Nulle part. Enfin, nulle part. On peut passer, mais je regarde partout. On sait jamais s'il y a une arme avec un fusil d'assaut avec 400 balles dedans. Ah putain, on a bien fait de faire le tour. Hein. Là, ça nous donne quoi? Toujours que dalle. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Je suis en mode réaliste là ou quoi? Je suis plus en mode facile. J'aimerais déjà avoir un char d'assaut là. C'est pas mal là. Ouais, c'est des vernis, ça va me servir à quelque chose en mode post-apocalyptique. Je vais faire du vernis sur les zombies, ils vont être contents. Ah oh, putain. Alors, je pourrais pas faire de suture. Bon, je me contenterai de ça. Ah, c'est dégueulasse, tu peux pas mettre ça sur une plaie. C'est encore pire. Note du salon de beauté. L'adjudant-chef, Larry Caulfield, est mort en héros cet après-midi. Nous regagnons la zone de quarantaine. Quand le patient s'est transformé, il avait dû être contaminé par des spores, car nous avons relevé aucune trace de morsure. Le patient a rompu les liens et a attaqué notre pilote, l'adjudant Sen Brandon. L'hélicoptère était devenu incontrôlable et tourné sur lui-même, mais l'officier Caulfield a réussi à repousser le patient affecté, nous sauvant la vie à tous. Nous nous sommes écrasés dans un centre commercial du Colorado, en pleine campagne. Le soldat Eugène... Tout ? Ah non. Le soldat Eugène, l'officier Caulfield et moi étions les seuls survivants. L'officier Caulfield a été mordu au cou par l'infecté pendant l'attaque. Il nous a immédiatement montré la morsure. Acceptant son destin, j'ai appliqué le protocole d'infection avant que l'officier Caulfield ne puisse se transformer. Puisse-t-il repose en paix. Capitaine Ryan Francis, 4e division d'infanterie, zone de quarantaine de Denver. Ça sent le zombard en bas, non? Petite odeur de zombard, là. Faut passer la rambarde. On est obligé. C'est parti! Dépêche! Là-haut! Eh ben... C'était chaud, hein. T'as été rapide. Je suis bluffée. Merci. Allez, viens. On y va. D'accord, on Et fait le... Comment tu t'y es pris? Pour les lucioles? Ouais. On fait les deux. Tu te souviens, oh, la lucioles que t'as mordu pour lui piquer son flingue? Ouais, je m'en souviens très bien. C'est très fort. Je te rate. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je l'ai suivi. On est rentré dans une ruelle et là, les lucioles me sont tombées dessus. Elles m'ont emmené droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle allait me trucider. Mais après, elle m'a dit, t'en as mis du temps. Comme si elle m'attendait. Mais c'est le passé, en fait, c'est Et pas le futur. T'es juste devenue une luciole? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer... C'est sa copine un test. Qui s'était fait mordre. Elle voulait être sûre que j'étais motivée. Oh. D'accord.
J'ai bonne mémoire, c'est ça. Ah mais moi je croyais qu'on était dans le turfu, mais en fait on est dans le passé là, encore plus. Dans les deux trucs on est dans le passé. Avis de recherche. Quand ouais. On parle du loup... Elle pose des questions sur toi. Ah bon? Elle dit que tu lui rappelles ta mère. Ça, je peux pas te dire. Allez. On est dans les temps. Bah ouais, regarde, si on regarde son bras, elle est pas encore infectée. Eh oui, on est dans le passé, là. Avec qui tu traînes ces temps-ci? J'en sais rien. Pas grand monde. Même pas avec Tino et ses potes. Comment ils vont, d'ailleurs? Riley, ce sont tes amis. Pourtant, tu leur parles bien. Ouais, des fois. C'est par là. Mec habitué à tout fouiller alors que là, bah, on est dans le passé quand même. Pas besoin. Et t'as trouvé la lumière? Oh, ah. Oh, désolé, je voulais pas me moquer de votre démarche. Bon, alors, t'es à fond dans leur trip maintenant? Je t'assure que je suis pas un soldat. Trente jours, mon cul. Les gens seront infectés tout le temps. Ils le cachent bien, c'est tout. Me dis pas que t'es tombé sur d'autres infectés? Même que pour l'initiation, ils m'ont demandé de tuer ce... D'accord. T'es cool. Oh merde, planque-toi! Pardon, je suis un peu sur les nerfs. Fais gaffe, ça glisse. Eh, dis, et si je rejoignais les Lucioles? Ellie, c'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois à l'abri dans cette stupide école. Je suis même pas censée venir te voir. En quoi ça la concerne? Elle a peur que je te crée des problèmes. Hé, hey, tu te souviens la première fois où je t'ai amené ici? Qu'est-ce qu'on fout ici, Riley? J'ai une surprise pour toi. Quoi? C'est un dinosaure? Peut-être. Je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras. Allez, go. Vraiment bien, hein, vraiment bien, vraiment prenant. J'adore ce jeu. Oh, ouf. C'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça? Ouais. Tu sais ce qui s'est passé? Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Une crise cardiaque, je crois. Merde. Mais bon, il y a encore combien de morts naturelles de nos jours? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. On va voir ce qu'il nous a laissé. T'es sûr? Alors? Quoi? C'est Winston? Waouh, il était pas dégueu. Bingo! T'en veux?
Ouais. Fais gaffe, c'est pas de la bière. Oh, je t'en prie. Ah oui, c'est du whisky. Oh, la vache. Tiens. Eh oui. C'est dégoûtant. Ah, la tienne, Winston. Ouh. C'est fort. Allez. Allez, on continue. Là. Mais oui, princesse. Ben, sans doute qu'à la mort de Winston, ils l'ont emmenée. Pauvre jumeau. Elle doit être terrorisée. Merde. Allez, go. Bon, on a eu une emmerde en étant dans le futur, enfin dans le passé. On va avoir une emmerde dans ce passé aussi, je pense. Ça, on sait comment ça termine. Ellie. Aide-moi à lever ça. Non, je déteste se cramper là-dessus. J'ai toujours peur qu'on se fasse écraser. T'inquiète. Tu me suis. Tu sais quoi? Si on trouvait un autre passage. Ouais. Pas mal. Il est pas où votre passage? Hé, hey, Matza, il y a un passage ici. Ah oui, merde. C'est parti. Vas-y, et sois prudente. Comme d'habitude. Allez. Riley? C'est bon. Non! T'es nul, ça fait deux fois aujourd'hui. Jamais 203. Comment ça se fait qu'on soit jamais venu ici? Viens là, j'ai justement le masque qu'il te faut. Riley! Parfait! Regarde ça. C'est quoi ça, un loup-garou, un truc dans le genre? Oui. Enfile-le! C'est débile. Ouais! Ça le fait! Et grogne! Sérieux? Fais-moi peur! Comment on fait? Ah oui. Je t'adore! Mais voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Il y a peut-être des zombies, il va peut-être y avoir. Oui. Waouh! Regarde-moi tout. Ah, il est dégueulasse, celui-là. Pas du tout. Ouais, je préfère le... En fait, si tu peux choisir ton masque. Mort de vin. Pose-lui une question, si tu l'oses. Ok. Est-ce qu'on va mourir aujourd'hui? Que dalle! Pff, quelle arnaque. Il faut que tu la retournes, Einstein. Vos os sont bien à l'abri. Ah, ouf, ça va déjà mieux. Mmh. Est-ce que je vais reconduire un jour? Sûr à 100%. Classieux. On va les faire au maximum. Est-ce qu'on va sortir de cette foutue zone de quarantaine? L'avenir nous le dira. Alors... Il y a des chances. Continuons. Est-ce que je jouerai un jour à un jeu vidéo?
Je crois que c'est mort. Je t'emmerde, sale crâne. Allez, continuons. J'aime bien. Est-ce que je vais finir par avoir des seins? Les esprits se taisent. Ah, comme par hasard. Est-ce que t'es un abruti? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Bon, au moins c'est clair. Ah, une minute dernière. Est-ce qu'on va récupérer nos pistolets à eau? Les esprits disent oui. Ha! T'entends ça? On va récupérer les pistolets. Laisse tomber, Ellie. Ah, c'est fini. Oh, je préfère celui-là, il est plus rigolo. Triple phénix. Oh putain, elle est à côté, elle s'est mis un autre masque. Qu'est-ce que t'en penses? Trop mignonne. Merci bien, gentil pigeon. Ouais, j'aime bien. Un pigeon. Il y a citrouille aussi. Ah. Ouais, c'est des yeux. Et ça se vend, ces trucs? Je comprends pas. Putain. Wow. Frankenstein. Espèce d'idiot. Ouais. Allez, c'est parti. Faut fermer toujours de là où on vient, c'est bon, c'est fermé. Ah, j'ai une idée. Oula. Tu vois ces voitures en bas? Ouais. Toi, tu prends la rouge, et moi la bleue. La première qui casse toutes les vitres de sa voiture avec des briques à gagner. Tu déconnes? Je suis la pro du lancer de briques. Ok. La perdante doit... C'est quoi, c'est répondre à une question. Mais sincèrement. C'est vérité ou vérité, c'est ça? Ok, bouffonne. C'est parti. Saloperie. Et bim! Putain, ouais! Ha! Facile. Deux cafés! Concentre-toi, Ellie. Hein? Pas que c'est, là? T'as vu ça? Bim! Ouais! Allez, la dernière. Jolie! Plus qu'une. Plus qu'une. Yes! La déesse des briques! Les vitres de la mienne étaient plus solides. Ouais, c'est ça, bien sûr. Là, je suis un pro gamer. Bon, c'est l'heure de la question. Bientôt dans l'e-sport. Ouh, j'ai peur. Ok. Pourquoi t'es parti sans rien me dire? J'étais un peu perdue. Écoute, je l'ai dit à personne. Mais moi, j'étais pas personne. Si? Non, c'est juste que... Viens, il faut que je te montre un truc, on y est presque. T'as pas répondu à ma question. Allez, go. Oh là là, ça pue du cul. Le truc, ils ouvrent ça comme ça, même si t'as rien. Fermé derrière, toujours fermé derrière, sauf quand il y a des zombies.
Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça me file la chair de poule. Bon. Tu te rappelles quand on disait qu'il n'alimentait que certaines parties de la ville? Ouais. Ben, suis-moi. Putain, ça pue du cul. Mais y'a rien à récupérer. Ah, bien fait d'ailleurs. Note d'avertissement. Qu'est-ce qu'il y a? Major Bank, c'est maintenant, la troisième fois en trois semaines, que je vous demande d'augmenter les effectifs dans mon secteur. Depuis que la zone de quarantaine d'Arsford est tombée, les réfugiés ont envahi la ville. Beaucoup d'entre eux passent par le centre commercial car les soldats y sont peu nombreux. Ces gens sont désespérés et pour la plupart infectés quand ils arrivent en ville. Comme vous avez pu le lire dans mes précédents rapports, j'ai neutralisé trois infectés de niveau 1 rien que la semaine dernière. Il y a des zombies, ça veut dire, ma petite, ça veut dire qu'il y a des zombies. Ça veut dire qu'il faut se barrer d'ici. Sauf que malheureusement, elle sent pas les couilles. Donc, tu vois, toute la ville a du courant. Ils ont juste fait sauter les plombs. Il suffit simplement de les réenclencher. J'y crois pas, ça marchera jamais. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais ça économise l'électricité pour toute la ville. Attends, on a tout allumé là? C'est un peu égoïste. Sale gosse. Oh putain. T'es vraiment prête pour ça? Attends, je sais ce que t'essaies de faire. Et je suis contente tu sois en vie. Enfin, je suis contente qu'on se soit retrouvés et je le pensais pas. Tous ces trucs que j'ai dit avant de partir, j'en pensais pas un mot. Je te le jure. Riley, t'es une vraie sentimentale. C'est toi qui as commencé. C'est pas vrai. T'es prête? Carrément. Wow, c'est pour de vrai? Question. Est-ce qu'on garde tout ce qu'on avait? Ah, j'ai un kit maintenant. Ah, intéressant. Ça signifie qu'on va se faire dévorer. Comment je vais monter? On va voir. Déjà, essayons de trouver du matos. Oh putain. Note de l'atrium. Comme nous étions presque à court de vivres, le soldat Eugène Ellis et moi nous sommes aventurés dans le quai de chargement dans l'espoir d'y trouver des rations supplémentaires. Là, nous avons été attaqués par un groupe d'environ 6 infectés de niveau 2. Nous les avons neutralisés, mais l'un d'eux a eu le temps de mordre Ellis. Après un débat échauffé pendant lequel le soldat Ellis a tenté de mettre fin à ses jours, je l'ai assommé. J'ai décidé de ne pas respecter le protocole. J'ai isolé l'infection à l'aide d'un carreau. J'ai récupéré ma scie chirurgicale dans le centre de triage abandonné. Je l'ai nettoyé. J'ai infecté de la morphine au soldat. Et j'ai coupé, sans doute. Et j'ai amputé son bras plusieurs centimètres au-dessus de la morsure. J'ai bon espoir que quand il reprendra connaissance, il sera débarrassé du cordyceps. Capitaine Regan Francis. Ok. Oh, j'espère pour toi que ça va marcher. C'est bien. Bah, c'est pour faire joli les loots en fait, c'est ça. Dans l'FBI, c'est fait pour faire joli les loots. Ah, peut-être pas.
les zombies. Hein. On va quand même faire le tour et on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer ici. Oh, de la nourriture. On récupère un peu de points de vie. Non, on peut pas ouvrir. Non. Ok, c'est parti. Zombieland, c'est parti à mon avis. C'est pas là? Ah merde, c'est pas là. C'est là. Ça s'est ouvert tout seul. 4 balles. Ça pue au moins quand t'as pas de munitions, tu te dis, il doit pas y avoir de zombies. Pour recharger. C'est du zombie comment? C'est quel type de zombie? Oh merde! Ce que j'aimais pas dans Resident Evil, c'est quoi, et des fois il y avait des pops comme ça qui te mettaient bien la pression. C'est bien dans The Last of Us, il y a peu de pops qui te mettent une grosse pression. Allez. Ok. Ouais, tu peux quasiment passer là. C'est fermé. Putain, faut passer dans de la flotte. Oh, là là. Oh la vache, elle est gelée. Putain! Tu veux me tuer ou quoi? Trop chaud, trop con le chat. On a des balles, on a compris qu'il va y avoir des zombies, hein, c'est ça. Mais où? Ok. On va quand même essayer de récupérer le matos qui est autour, hein. Avant de vouloir se... allumer les moteurs, oh putain, oui. J'aimais pas les moteurs. Ah, ça il faut du jus. Putain, j'aime pas ces trucs, ils nous ont porté tellement la poisse. Oh. Attends, je peux lâcher le truc? Je lâche, là il y a un truc sur le truc. Je veux prendre d'abord le truc. Note du générateur. L'état du soldat Elissa empirant, il est brûlant de fièvre et il a rien pu avaler. J'ai peut-être fait une erreur, j'ai peut-être trop attendu pour l'amputer. Il a peut-être se transformé pendant que j'ai le dos tourné et le protocole d'infection nous a fait. Nous avons fait ce que nous avions à faire avec l'officier Coffey et nous. Mais qu'est-ce que je raconte? Nous avons tué Larry. Ellie l'a tenu pendant que je l'abattais comme un vulgaire chien. Je l'entends encore crier. Regan, pitié, il me reste encore du temps. Ne fais pas ça. Ellie, qu'avons-nous fait? Et si je partais, si je m'enfuyais, pardonne-moi, Ellie. Regan. Rien. C'est quoi cette musique de merde? Il est sec. Fais chier. What the fuck, ça vient de quoi cette musique là? Oulala. J'aime pas trop. Monter là-haut? On peut bouger ce truc? Non. Comment je monte sur le camion? Pourquoi il est sur le camion? Il a l'air d'avoir des trucs. Oh, ça me pue du cul. J'aime pas la musique. Oh là là, et puis on commence à avoir un milliard de balles. C'est tellement mauvais signe ça d'avoir un milliard de balles dans un jeu avec des zombies. Putain de merde. Bon, y a pas de zombies là. Je vais pas faire chier. On commence à devenir full life, ça veut dire qu'il va y avoir des zombies qui vont me bouffer pour que je perde des points de vie. Le jeu est bien pensé, vous inquiétez pas. Oh non. Faut que je trouve de l'électricité, c'est ça. Par contre, on a là les balles, alors là... 20 balles, les potes, on est prêt à casser du zombie, hein. Merde, fermé. Ah mais c'est fermé partout, mais faut faire quoi? Ok, là on peut... là, ça mène à rien. Sinon on peut pas attendre des trucs là. Ah si. Putain, j'aurais jamais trouvé si... J'ai un gros coup de bol là les potes. Hein. J'ai failli être bloqué 2 heures là. On peut monter à l'étage supérieur. Là, là. Non, je pense pas. Faut aller sur le camion. Là, il y a des trucs.
Faut aller là. Faut aller là. Ah oui, mais j'ai perdu des points de vie. C'est pas gentil ça, le jeu. Comment on pouvait faire pour descendre sans se blesser? Je sais pas trop. Il nous faut de l'essence. Pourquoi ils me disent d'allumer le générateur, ces abrutis? J'ai pas d'essence. Est-ce que j'allume comment? D'abord. Ah, c'est pour ça qu'ils te font te blesser. C'est parce qu'après, ils te donnent full life. Ils sont gentils, les développeurs. Ils sont gentils, les développeurs. Allez, Ellie, il faut qu'on continue. Encore de la bouffe. Mais je suis pas un débile non plus. Je prends pas un milliard de dégâts. Hein. Je suis full munitions. Je sais ramasser ce que vous me donnez. Ah merde. Ça servait à quoi de faire tout ça alors? Ah, que dalle. On peut pas monter là. Ah là. Ah, c'était là. C'était à 2 mètres qu'il fallait aller. Oh la blague! Oh la blagounette! Tu veux dire que. Mais c'est pas possible qu'il y ait de l'essence. Je peux peut-être en trouver. Bah oui, mais où? Dans le camion. On vient de là. Oh merde! Des rôdeurs. Oh merde, mais c'est pas possible. Vous savez que je vous déteste, bande de zombies de merde! Je vous déteste! Lâchez-moi! Il en reste un. Ouais, on dirait bien. Ok. De l'essence. J'ai laissé des points de vie quelque part et des balles. Voilà. Très bien. De l'essence, mais où? Mais les... je sais même plus d'où on vient. On vient de là. On vient de là. Ça a mené là. Et il faut qu'on trouve de l'essence. On trouve de l'essence. Où les potes? Là. Ah, mais c'est quoi ces sons chelous là? Oh, j'aime pas les sons chelous comme ça. Vous imaginez pas comment je vais râler le jour où je ferai un film de un jeu d'horreur pour. Ah voilà. Ah, oh, c'est vide. Ça m'étonnerait qu'une enfant de cet âge sait comment siphonner un réservoir. C'est fermé là. J'ai déjà essayé. Sous ma gueule, il est où le camion? Là peut-être, celui-là. Ah, bingo. Il y en a. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je prends le tuyau et je siphonne tout.
Mais c'est comme ça. Faut faire un appel d'air. Voilà. Bien joué. Ça devrait suffire. Je pense pas que ça soit aussi simple. Enfin, si, je crois que c'est aussi simple. Mais... Ouais, bon. On a rechargé. Oui, on est bon. On recharge, mais on n'est pas complètement con. Oh putain, les potes! J'ai mon arme préférée. Je fais. Ça, c'est s'il y a des zombies paquets, les potes, on fait comme ça. Faire marcher le truc 30 secondes, oui. Merde, vous voulez. Et boum. Oh. Bon, c'est noté. Je ne touche pas à l'eau électrifiée. Pigé. Allez, dépêche-toi, Ellie, j'aime pas du tout. Quand... Mais bah ferme-la. Ah, c'est tout. Ah, j'ai fait ça pour ça. Ah non, il y a une échelle. Ah, je préfère être là-dessus parce que là, les zombies te font pas chier généralement. Toute l'eau est électrifiée maintenant. Ok, c'est par où les potes? Par là. Par là, par là. Doucement. Doucement. Regarde devant toi. Tout va bien se passer. Mais oui, ne t'inquiète pas, Ellie. Tu vas pas tomber dans l'eau et te faire électrocuter. C'est pas du tout par là. Par le camion, on passe par le camion, on loue ça, ensuite on va là. Mais là je vais me faire mal encore, non? Non, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon, on y est. On y est les potes. Plusieurs possibilités de sortie. On va passer par là. Oh là là, comment tu ouvres ça, putain. Il pourrait tellement y avoir un zombie là-dedans. Mais ça sert à quoi, ça? Peut-être que j'allais ouvrir l'autre côté d'abord. Lâche. Là. C'est peut-être là, ça va me servir ici pour monter là-haut et pour pouvoir passer sur les conduits au-dessus de la flotte. Zombie là. Là-bas. Ça, on est d'accord. Non, c'est pas là-bas. Je peux faire un autre kit de médecine. Là, on peut y aller. Il y a quoi? Rien du tout. Je pense que c'est ça. Non, ça mène à rien. Est-ce qu'il y a un truc qu'il faudrait qu'on aille dessus? Là, peut-être, grâce à ce truc. Ok, on a retiré un truc, mais ça mène à quelque chose. Là, ça. Là, on peut pas monter, j'ai compris ce qu'il faut faire, vous inquiétez pas. Je vais pas rester bloqué 30 000 ans. Je pense qu'il faut... monter là-dessus. Montez là, montez là. Oh, on n'a pas besoin. En fait. Et montez là. En fait, on en a trop pas besoin. Ouais. Je suis un génie.
Attention, ne tombe pas, Ellie. Tout va bien, pas de zombard. Alors, on peut tomber là, on peut continuer. A priori, il faut tomber là. Tout va bien. Putain. Et là, je descends tranquillou bilou. Il y a un endroit pour tomber et pas se faire mal. Je vais me faire mal là. Non, ça va. On se retourne, on regarde s'il y a des trucs. Et on passe là. Putain, comment elle rentre dans les trucs, moi. Ouais, je vous entends. Faudrait être... Au revoir. Alors, j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode de Left Behind, l'histoire de comment elle a réussi à essayer à soigner Joël et l'histoire de sa meilleure amie à l'époque où elle était encore pas contaminée. Très intéressant ce DLC, je suis plutôt content, ça permet de comprendre un petit peu mieux les personnages. L'épisode prochain sera dur, je pense, donc un petit pouce en l'air pour me motiver pour la suite. Je déteste les zombies. En fait, moi, j'adore l'histoire, mais les zombies, je galère à chaque fois. Ça me stresse. On se retrouve dans un prochain épisode. Merci encore et à bientôt.